ZVZ Yellow Fox contre Zrg. Zrg. De la team Clan SC2 Improve. Là, on va checker ça tout de suite une fois que c'est lancé. Évidemment, personne ne me dit hein, que je le lis, sinon c'est pas drôle. Il faut qu'on me laisse dans le même délire là d'attendre. Alors, hop, on va voir ce que ça donne. J'ai un souci à bug avec Battle.net, du coup, si tu peux m'inviter pour la prochaine game, car c'est moi qui joue. Bah oui, si c'est toi qui joue. Bref, Zorga pour la team Clan Improve en bas à gauche de cette map, en Zerg bleu. Et en Zerg rose pour la team Angel Wings Yellow Fox en haut à droite de cette map. Je sais pas pourquoi il est pas mis comme dans la team Angel Wings, mais bon, il doit y avoir une explication. C'est un best of 5 si je me souviens bien. Ah, je leur ai déjà dit GLGL. Good luck aux deux. On va ajouter quelque chose ici. Best of 5, Control Shift 5. Voilà. C'est 0-0 pour l'instant, c'est que le début de la game. Alors, Ash First de la part de Yellow Fox et la même de la part de Zerg, notre ami Zerg Rose. Hein. Voilà, match miroir, passionnant. Hein, Kelis. Ils font exactement la même chose pour l'instant. Bon, c'est passionnant, le ZVZ. Un peu comme le TVT, ou le PVP, c'est le meilleur là. Quand ça joue Mass Phoenix et que tu te fais à peine chier. Non, mais genre pas du tout. Mais là, on va quand même s'amuser. Hein, parce qu'il y a du talent ici. J'ai pas regardé. C'est du master, enfin j'ai pas regardé exactement c'est quoi, si c'est master 1, master 2, master 3 ou exactement leur MMR. Je sais qu'ils sont master et je pense bien que Yellow Fox doit être master 1, ça doit être de ce niveau-là. Nous sommes sur Blackpink. Je savais pas que cette map s'appelait Blackpink. Faudrait que je joue en ladder plus souvent. Je m'amuse un peu avec l'écran en ce début de game, super passionnant. Speedlings lancé, deux queens de lancé. Yellow Fox qui veut jouer safe hein, avec une spine qui est directement lancée. Ah, a été annulé. Il a dû scouter quelque chose. Là, il y a des Arlings qui arrivent pour le scout. Il y en a deux ici. C'est le Ben Linus qui est en cours de construction chez l'ami Yellow Fox. Et chez l'ami. À croire que. Je sais pas, ils font exactement le même build. Allez, vas-y, attaque ta hatch, c'est exactement ce qu'il faut faire, Yellow Fox. Allez, on est avec toi! Boulot. Là, deux armées qui se battent, ils essayaient de deny la. Wow! Très belle micro-gestion de la part de Yellow Fox. Enfin, très belle. Hein. Il a gagné la fight. Ragnar, je suis dans le channel. Désolé, go, go, go. On a. Iceworld qui est là avec nous pour nous supporter. Merci mec. On va le supporter après parce que ça va lui et ça va être lui à jouer après. Je pense que ça rase ses Zerg et que ça va être un PVZ après. Et là il en. Ouais, il a envoyé 15 Zerg, il a encore gagné la fête, ça peut pas être exceptionnel non plus. Deux petits Zerg là maintenant ils sont des Speedlings. Et donc on va gagner aussi la fête, notre ami Angel Wings Yellow Fox. Et il veut pas tuer le Speedling là, il a peut-être fait un. Ouais, il a fait un F2 des familles, il aurait pu gagner la fight là. Bon, après, c'est qu'un Zerling, hein, c'est que 25 de minerai, rien d'important. Il y a beaucoup de Zerling ici, on va voir le compte d'unité. 16 Zerling à 6, pas mal. Là, l'Overlord, un peu en mode disrespect, je viens chez lui. Bon, bah, il va pas l'avoir. Hein. Là, il va pouvoir, avec une agression avec beaucoup de Zerling là. Il va pouvoir deny au minimum la base. Ah là, il l'a deny. Au moins, il ne l'a pas perdu pour rien. Il a au moins cancel notre ami Yellow Fox. Là, les données sont exposées pour un Zerling, c'est tout. Rien de worth it. Une Nevo Chamber et le Bataros qui est lancé. Là, un scoop pour détruire un Bending.
Mauvais contrôle de la part de Yellow Fox. La B3 qui est déjà là avec quelques drones. Et il drone beaucoup hein, là pour l'instant notre ami Zerga. J'arrive pas à prononcer Serga. On va voir comment on va le prononcer tout au long de cette game. Au niveau de l'ICOM c'est plus ou moins la même chose. Hein. Mais le Zerg bleu ici va commencer à avoir une meilleure income avec sa B3 qui est là. De l'arbre aussi. Par contre il a toujours pas de queen sa B3. Là il fait deux les deux gaz B2 et le T2. On va voir ce que ce sera pourquoi. De l'hydradisque ou je sais pas. Une petite folie d'Amita en early. Là le petit Bemlinx là qui vient scouter. Un Bemlinx de scout. Hey, y a de la musique ici. Ouais, la super musique. Rien d'intéressant pour l'instant. Il pose toujours pas de base, il a 22 drones ici. Pour l'instant là, le Zerg bleu peut s'amuser à faire plein de drones. Alors, avec son T2, qu'est-ce qu'il nous a lancé? Des Hydra qu'il va nous faire. Des Hydra avec des Roaches. Là il nous fait un speed roach, en fait il va pas prendre... Ah si, il prend B3, juste au moment où je me disais qu'il allait faire une agression avec que des roaches et pas prendre de base, il prend base. Il va peut-être faire une agression en prenant base pour rester safe et pas être complètement all-in. Des Zerlings qui sont toujours là. Une belle branlée de Zerlings ici. Un bon map control de la part de... De la part du joueur Zerg bleu. On va voir le map control. Est moins bon pour Yellow Fox, mais ça va encore. Il peut voir les mouvements de son adversaire tout au long de la map. Des Roaches qui sont en train de s'avancer sur la map, sans doute ils vont vouloir. Ah non, ils reculent. Ok, je vais arrêter de parler. Hein, moi. Je me disais qu'ils allaient peut-être essayer de deny avec les Zerlings qui sont là, la B3. Alors Terran nous dit poussin. Salut les amis. Ce qui est chiant c'est que le stream est delay du coup pour répondre à beaucoup de Zerlings qui sont morts. Pour répondre au message du chat, j'aurais une minute. J'aurais plus d'une minute de delay. Enfin 2 minutes en fait. Bref. B4 qui est posé de la part de notre ami Zerg bleu ici. Deux Bemlinks qui sont utilisés pour quelques Zerlings, c'est pas du tout worse, mauvais contrôle. La B3 qui est seulement posée maintenant. Ah, une attaque avec du Roach Speed ici qui arrive. Est-ce que ça peut passer? Est-ce qu'il y a... Au niveau des upgrades, ils sont even, hein. Ils ont plus de Roach Speed, on a un d'attaque. Il va rien pouvoir faire ici Yellow Fox. Le 2 devrait. Le 2 d'attaque devrait arriver plus vite pour Yellow Fox. Et là il y a le 2 de défense qui est là. Le 1 de défense là. Il prendra moins de dégâts. Là il rentre un peu dans le tas, il va faire du dégât, il prend des drones, 5 drones déjà. Des drones qui prennent la fight, 9 drones qui meurent, 10 drones qui meurent. Au final il va se faire reboot plutôt facilement ici. Enfin plutôt facilement il va finir par être reboot en perdant 11 drones et alors que ici il est max au niveau des drones. Là il va tuer 2 overlords. Peut-être mettre Sarga en supply block. Non, pas du tout. Alors. Beaucoup de roach hein, en production pour la part de Yellow Fox. On va voir le compte d'unité. 39 roach, mais il y en a 26 roach pour l'autre. Et 16 hydra. Ici on peut voir les roach qui sont là. Pour une petite attaque, ils essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Sans doute pas grand chose hein, pour l'instant. Ici des roach pour un run by ici. La fight qui est prise ici quand même. Pour ralentir Yellow Fox, ici tous les drones sont pris 11 drones quand même. Ici, ouais.
Les bonus qui sont arrivés. Encore plus de drones qui meurent. Mais là, je ne ferai rien. On va essayer de sniper celle-là peut-être. Oh, il y a quand même beaucoup, beaucoup de roach de la part de la foule. Il va pouvoir la sniper normalement. Oh! Ouais, il a eu le snipe sur la base. Il y a beaucoup, beaucoup de roach. Au niveau du upgrade, c'est 2-1 contre 2-0. Du coup, Yellow Fox a un avantage et il a plus d'unité. Il n'a pas les draps, mais il a quand même énormément de rôle. Là, il rend maintenant vers ça et il met dans un boulot d'extrêmement et c'est le GG. Directement le GG. Salut, salut, je ne comprends rien, dit-il. Ta-ta-ta. Un PVZ qui s'annonce de qualité. Alors en haut à gauche de cette map, en joueur rose Protoss, nous avons Suprotiviste pour la team clan SC2 Impro. Et en bas à droite de cette map, nous avons en Zerg vert pour la team Angel Wings Ice World. Comment ? De la game de qualité, commentée par une personne de qualité, encore une fois. Les scouts qui sont envoyés, hein, les drones de scouts, waouh, la qualité, le début de game. La qualité des joueurs aussi, un 4K7 contre un 4K2, quoi. Il commence déjà le wall. Tant mieux pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, s'il veut prendre les deux. Là, Ice Ward qui est déjà prêt à bloquer la B2 du joueur Protoss. Il avait déjà... Oui. Pourquoi j'entendais ma voix? C'est insupportable. Bref. Je retourne. J'ai appuyé sur un bouton, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait. Bref. Hop, on met Best of Five. Qu'est-ce qui se... Quoi ? Pourquoi c'est autant zoomé comme ça ? Ouais. Ça me saoule. Bref, de la merde. Le gaz qui a été pris ici de la part de Ice World pour bloquer la deuxième prise de gaz du joueur Protoss. Il y a Supply Block, le 4K2 Protoss Suprotiviste. Le joueur Zerg qui prend beaucoup, qui fait beaucoup de Zerg pour une early agression. C'est pour ça que... Ça. Putain, mais ce zoom m'énerve. On va voir l'agression ici du joueur Zerg qui arrive. Il va attendre son speed link qui devrait arriver. Mais il y a une batterie shield qui va arriver. Elle sera peut-être un peu tard sur la fight. On va voir ça tout de suite. La speed link est là et la batterie shield n'est pas encore là. Ça... Mais il va voler le joueur Protoss. Stalker qui est directement pris ici dans le fight. La batterie shield qui va avoir échillé le wall des bâtiments. La personne énergie sur le bâtiment. Hein, le deuxième adepte qui devra sortir là pas longtemps. Le wall qui se fait. Pour l'instant il va perdre son cybernétique.
Le pylône ici qui est sauvé au dernier moment. Il y a un animal qui sort, tous les avions vont être sortis. Ça bon contrôle des malgré tout. C'était pas terrible comme idée. Voilà, 1-0 pour Angel Wings, je l'ai mis. Par contre, ce zoom qui m'énerve là. On va aller voir, je pense, de la prodosserie, de l'énorme prod. J'ai envie de zoomer sur le truc et je peux même pas zoomer sur le truc. Tristesse. La qualité. Saloperie. Ici le prism qui arrive pour faire des dégâts. Bon, sur les deux spines qui ont été installés. Ah, une spine et un porteur qui ont été installés ici. Il va y avoir des joueurs pour tous. Il va se faire tuer cette queen. Probablement Arras ici. Manière qualitative. La spine qui tombe. La spine qui tombe. Limo qui. Il se fait sauver. Il a perdu juste son shield. Il est tranquille. La queen ici qui pourrait se faire prendre, mais bon, pas grave. Bon, sur la. Beaucoup de gates qui sont produits par les joueurs Protoss et pas de 2-3, il a mis la glace à la montre des joueurs Zerg. Il essaie de la deny un peu ou faire du dégât. Il y a beaucoup de Zerling qui ont été produits de la part du joueur Zerg. Un Battle Orker qui est lancé direct. On rigole pas. On n'est même pas max sur AB3, mais Battle Orker early, on va rentrer dans le tas. Le warp gate qui est seulement fini maintenant parce que le cybernetic core qui avait été détruit, il n'a pas envie de détruire cet extracteur qui scoute quand même une partie de sa monnaie. Ah, magnifique le son là. Il est un peu harass ici au niveau du D-Worker. Ouais, dans un sens, il voit qu'il n'y a pas de D3 et il va se faire rentrer dedans. Il prend tous ses gaz, il. Bon là maintenant il dort pas vraiment, il fait beaucoup de blinglings. Est-ce qu'il va avoir le speed blinglings, le 1-1 d'attaque pour les speedlings et les hydras. Et une énorme armée qui arrive ici. Maintenant il voit tout ce qui arrive sur sa gueule. Il a sur les clips et là il n'a absolument rien. Au niveau il y a beaucoup plus d'armées. 74 d'armée contre 34 d'armée, absolument insane à quel point il se fait rouler dessus. Là il y a beaucoup d'adeptes qui sont là, mais. Ici en bas à droite de cette map, en Terran rouge pour la team Angel Wings, Marcaroni. Et en haut à gauche de cette map, en Zerg mauve pour la team Clan SC2, il trouve Sonic. Les GL sont lancés. Les GL de qualité. Une game de qualité, encore une fois, qui se prépare. Ils viennent de Russie, je pense. Marcaroni est également de la région. Bon, maintenant, j'ai retrouvé le zoom. Il s'est remis automatiquement, il s'était enlevé pour la game précédente. Alors. C'est un 1. C'est un best of 5, 1-1.
Gas first. Ensuite, ça va sans doute partir sur, sur un CC. Si Hatch first. Le scout qui est lancé directement de la part du joueur Taran. Par contre, il n'a pas répondu. La tristesse du vent. Le mec est pas gentil. Marcaroni qui est triste. On va l'appeler MVP. Le plus grand joueur de la nation. Le scout. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y a rien de très intéressant. Début de game très classique. Sans classique. De la part du joueur Zag. J'aurais dit il va prendre un CC. On va bientôt poser un supply avec sa SCV. L'Overlord qui va venir regarder un peu à la main K10. Qu'est-ce qui se passe? Ici l'Overlord qui va venir par ici pour voir qu'est-ce qui se passe à V2. Le Speedlinks qui est lancé. Comme d'habitude. Le Reaper qui va arriver à scouter et un peu péter les couilles au joueur Zerg Sonic. On va voir ce que va-t-il faire. La micro de ouf de Marcaroni. Waouh, c'est trop du génie. Par contre, il faut pas qu'il perde son Reaper, ce serait complètement contre sa part. Oh mon dieu! Ah, mais ta gueule. Le Reaper qui a tué un Zerling. Il n'a pas réussi à annuler la B3. C'est dommage. C'est un peu un noob play de la part de Marcaronoob. Ou Hdraanoob, comme on est appelé. Ou MVP. Alors. Si ça va être de l'Hélion. Lance avec un 1-1-1, va mettre une petite agression avec quelques élirons et un Reaper pour un peu embêter son adversaire. Il va accrocher le bat plus tard. Là, on voit, il va venir gratter du Zerling et gratter du Zerling. Un peu de fric aussi à l'avance. Ou alors prendre directement des drones. Oh, les drones! Il y en a déjà 3 qui sont pris ici, 4, 5, oh, c'est un peu El Massacro. Oh là ils sont mis en ligne, il y en a 4 d'autres qui sont pris, il y en a 2, oh, c'est un massacre à part lui. Il va perdre au final ses tourmenteurs, il contrôle comme une bite, mais il a quand même fait il a quand même fait énormément de dégâts là. Là un Bunlingness qui est posé. Oh mon dieu. Il a 10 drones en moins que son adversaire Terran. C'est un peu la demeure. 4 autres tourmenteurs qui arrivent sur la gueule du joueur Zerg. Il va revenir gratter du Zerling. Et là il y a beaucoup de speedlings qui sont là pour qui vont dire un peu ta gueule à Marcaroni. On va dire hé oh mec, tu fais un peu de la merde. Dégage, tu me saoules. Alors pendant ce temps là il fait beaucoup de speedlings. Il fait pas vraiment de drones. Enfin, évidemment, au moment où je dis ça, il en fait 5. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Alors de la Banshee qui est lancée, est-ce qu'il fait le cloak? Le cloak est là, la Banshee qui va arriver sur la B3. Et il va être étonné de voir qu'il y a... Bon, il y a un drone. Ouais, mais il y en a pas encore. Il drone maintenant, mais il fait aussi le... Marcaroni, le joueur Tan, qui a toujours plus de workers que son adversaire. C'est assez insane. Là il va faire une agression Elbat avec une Banshee, ça va un peu faire mal au cul du Zerg. Et là, est-ce que je pars à l'attaque? Est-ce que je fais un run-by ou pas? Finalement il va rester à la base pour défendre. Il va perdre cette B3. Les drones qui partent vers ailleurs. Pendant ça, la Banshee qui fait... Alors, qui fait ouais, je vais tuer des drones gratuits. Là, tout a été détruit, même les larves. Le sport qui va bientôt être sorti. Là, on va voir ce que ça va faire. Tous les élions, le rallye. Oh mon dieu.
Oh mon dieu, la bande suite il meurt avec. C'était du beau jeu, c'était magnifique. Alors ça va, un roadbike qui a pas tué beaucoup de drones. C'est un vrai jeu que les drones. Je sais pas pourquoi, mais le truc du compte de. Ah? Bref, donc ici quelques drones qui ont été prélevés, mais bon, il en a quand même le double de son adversaire presque. Et le même avec son armée. Il a une banshee qui est super low, qui fait beaucoup de dégâts. Où sont les queens? L'autre est morte, donc il fait un rush warren. Ah ben la tristesse, ici la 2-3. Encore un spot ennuyant où le sport n'est pas là. Bon, par contre, la pluie va dire ta gueule. Quelques cyclones hein, là, histoire de dire bonjour, je suis Terran, je suis. Voilà. Je suis la qualité. Ils vont venir un peu lui dire bon, mec, va dormir maintenant. Va détruire le roche forêt. Oh! Magnifique speed, il n'a perdu que un impact là-dessus. Là les drones qui commencent à tomber là-bas, parce qu'on va tomber tellement vite parce que Terran est là. Et c'est le GG Marcaroni, le génie de la game. Un GM contre un master. On va voir ce que ça donne. Sur Blackwater. On va voir si Moonbeam peut égaliser pour sa team, pour qu'il puisse peut-être gagner dans le H-Match. Ok, comment? Ce sera le diamant qui a gagné tout à l'heure contre Ice World encore. Alors ici en bas à droite de cette map, Moonbeam pour la team clan SC2 Improve. Et en haut à gauche de cette map, nous avons Mookashade. Le grand master de Angel Wings en Zerkros. Ces LVP de qualité qui s'annoncent. Il est tellement bon le bon vieux Mouka. Trop de jalousie. Dans ce début de game. Première fois grand maître pour Mookashade de. Et très bien joué à lui. Il va peut-être y rester s'il arrive à garder un bon MMR, à monter dans le MMR. Il a un peu de deny de la part du joueur Zerg, alors Mooka va directement poser au spot de AB3. Il se fait pas chier, il perd pas son temps. Là il est déjà mal soulevé du marais, il prend son gaz. Standard pour l'instant, pas de truc, pas de petit proxy à la con, pas de proxy des familles en mode gros bâtard. On va commencer à voler avec sa probe. La probe du joueur Protoss qui scoute absolument tout ce que fait le Zerg, il n'est pas contesté pour l'instant, aucun souci. La B2 qui est bientôt faite de la part du joueur Zerg, même si elle est éloignée, elle est au spot B3. Ça devrait le faire quand même. Blackwater qui est une nouvelle map du ladder. Avec une B3 plus ou moins sécurisée. Ici on peut pas y arriver directement, faut dropper. Le seul moyen d'arriver à la B3 c'est par ici. Du coup faut passer par la B2. Du coup c'est plus ou moins sécurisé, t'as une partie de la map où tu peux miner tranquillou. On te fait pas chier avec
des endroits complètement ouverts. Alors l'adepte qui va venir ici de la part du joueur Moonbeam, il n'en fait pas plus, il va en prendre juste un pour le scout et peut-être tuer un ou deux drones. Une Stargate qui a fait de la part du joueur Proteus pour faire des oracles sans doute. Si il va venir tuer des Arlings, scouter. Il observe tout ce qu'il a à voir. Il n'y a rien de fou pour l'instant de la part du joueur Zerg. Au niveau du scouting pour le joueur Zerg, il a vu la Stargate. Il peut peut-être envoyer une preuve. La voix par contre. Alors ici une deuxième gate qui est faite, l'orb gate qui est bientôt arrivé. On passe à gaz B2 pour l'instant. Oh, on a encore un gate. Speedings qui essaie de voir s'il n'y a pas moyen de trouver un spot pour aller en dessous de Protoss. L'orb qui va arriver ici pour aller détruire du drone. Mais vu que ça a été vu en début de game, les sport callers sont bientôt faits. Sur la B2 alors qu'il y a pas de drone. Il va toujours tuer deux drones. Ah, bien joué de sa part. Il perd que du shield sur son oracle. Aucun souci. Deux drones. Rien de fou, mais ça reste bien. Là, l'Overlord qui fait un peu le fou. Il se dit, je vais aller scouter. Et il n'a rien vu de spécial. Ici l'oracle qui n'a pas fait de kill, je pense, qui revient ici un peu embêter le joueur Zag, mais il défend très bien. Il va sans doute utiliser cet oracle juste pour faire des révélations. Alors le Batacolos qui fait révélation ici pour voir, on voit le tir 2, il était là avant déjà. Il n'y a rien à scouter spécialement, alors qu'ici on peut voir l'Hydraïs d'elle. Donc une baie robotique de la part du Protoss, il va commencer à faire beaucoup de Colossus. Ici avec un War Prison, il va embêter le bon ami Luca avec deux adeptes et avec un oracle. Il vient scouter, s'il trouve un drone à tuer, il va le tuer. Très bon map control de la part de Mooka. Il voit les endroits les plus importants. Là, il y a un drone qui est tué. Les drones qui sont enlevés directement. Deux drones qui sont enlevés. Très bon positionnement de la part du Mooka. Pour ne pas se faire surround et tuer un maximum de Zerling. Il tue un troisième drone important. Très belle exécution. Il n'a rien perdu. Il embête, il titille un peu le joueur Zag. Il commence à sortir. 4 gates en cours de construction. Le Zilo de charge qui fait aussi le 1 d'attaque. Très agressif de la part du joueur Protoss. Là, l'oracle qui a perdu ses dommages. Il aurait pu utiliser encore des révélations pour scouter ce que fait son adversaire. Quelques Hydra et beaucoup de Spillings qui se déplacent sur la map. On va peut-être essayer d'agresser un peu. Il n'y a qu'un seul Colossus ici, un deuxième qui vient d'arriver sur le terrain. Est-ce qu'on a le Speedblindlings? On n'a pas le Speedblindlings de la part du joueur Zarek. Et il est hors crypt, il prend une fight ici avec deux Colossus. Plus il warp 6 Stalker, il n'y a absolument rien à faire, il fait très bien le break. Il était bien chez lui. Inspire qui est lancé et deux Evo Chamber. Les 4 qui est posé aussi. Un Lurker Den, classique ZVP. Ici.
Pour l'instant, une game très calme de la part des deux joueurs et pas beaucoup d'agressions. Un petit Warzone d'un côté et on essaie d'avancer sur la map du côté du joueur Zerg, mais rien de fou. Il y a trois drones qui ont été pris, mais rien d'important. Ici le joueur Protoss qui va venir sur la map, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Le crypt n'est pas très avancé de la part de Mukashin. Et il n'a pas beaucoup d'unités. Il l'a vu hein, avec son Overlord que les unités arrivaient sur la map. Et il fait des corrupteurs, des speedlings et des boomlings. Il produit. Le lurker den qui est pas encore fait, du coup il n'y aura pas de lurker. Il y a quelques archons qui sont morts pour faire de la douleur. Il a fait un saron, il avait cette unité là et d'autres ici. Et ça a été pareil, il a été vu. Payback, il va commencer, il va quand même finir par faire un saran assez dégueulasse au final. Si les unités n'arrivent pas au même moment, il n'a pas été pris. Il y a beaucoup de trop pour prendre aussi 3 coins dessus. Pour faire toutes ces unités. La deuxième base qui va tomber, quelques archers qui tombent, mais encore beaucoup de stalkers et les trois tonnes de sont là. Ils battent un peu, il reste 6 corrupteurs, rien du tout, c'est plus allez, on va voir des bons joueurs, on veut voir du bon jeu. Ça va être la game pour la win. Angel Wings contre clan SC2 Improve. Une team française contre une team russe. Ça va être la qualité. Tout de suite. Maintenant. Alors ici, en bas à gauche de cette map, en joueur Protoss vert, nous avons Moonbeam pour la team clan SC2 Improve. Il a déjà battu, c'est un 5 à 3 qui vient de battre un 5 à 5, un Grand Master. Et il joue un 4 à 9, Marcaroni, Terran. Ici en haut, à droite de cette map, en Terran rouge, Marcaroni. Oh, la game de qualité. On peut pas avoir aussi mieux que ça. Alors ça va être du proxy, hein. Ça c'est pas du scout, il sait exactement où est son adversaire. Et là c'est un... C'est une map à deux spots, deux spawns. Du coup, ça va être du gros proxy. On s'y attendait. Marcaroni n'est pas vraiment un joueur de cheese. Hein. C'est pas Major ou ATZ. Hein. c'est profond. Excellent qui nous met un petit cœur. Salut, Excellent. Là. Il sait très bien qu'il va avoir des difficultés à battre ce joueur qui est normalement meilleur que lui. Là, le joueur Protoss va absolument tout voir. Hein. Il y a un seul dépôt. Il se dit déjà « Waouh, qu'est-ce qui se passe ? La merde !» Il va voir absolument partout s'il n'y a pas une Rax quelque part. Mais il sait bien qu'à mon avis, le petit taunt là, le GLHF avec un smiley histoire de dire « Eh oh !» T'as vu que je faisais un proxy. Alors, avec du réacteur, ce sera double Reaper à mon avis. Quadruple Reaper avec les 4 réacteurs. Ça va être de la qualité. Ici. Au niveau du joueur Protoss, il ne va pas. Il regarde dans sa main s'il n'y a pas d'Arax ou quoi. Il va pas voir ailleurs. Ici, il va envoyer un drone peut-être pour les scouts. Ou alors il rentre juste à la base. Là, le drone est là. Il voit très bien qu'il n'y a pas B2. Il fait une robotique directe. Hein. Il s'en bat les couilles. Il va avoir un stalker. Là, le stalker va voir le drone. Ah non, c'est du marine. Du marine avec l'amélioration pour les maraudeurs. Donc, marine maraudeur en fait. Gros push marine maraudeur. Et ça va être attendu hein, de la part du joueur Protoss. Il aura une robotique. Bon, ça me semble compliqué hein, là. S'il n'y a que l'amélioration du maraudeur pour ralentir les unités.
Ça va pas faire beaucoup de dégâts. Enfin, sans le steam, la bio est un peu la merde. Je dois vous dire, avec des immo qui vont sortir. Là, il y a d'abord un Ops. On va un peu scouter ce qui se passe. Là, il y a un Stalker qui est là. Les Marines qui sont là, ils reculent un peu. Ça a été vu. L'opération qui est déjà faite, il va perdre ce Stalker absolument directement. Ah, il part en fumée en plus, le Stalker, il s'en bat les couilles. Au niveau de l'armée, 12 d'armée pour le joueur Marcaroni contre 9. Le steam n'est pas en train de faire. Là, ce drone va tomber, est-ce qu'il va être... Il est presque sur Payback avec ça, il va annuler la B2 sans doute. Il attend plus d'unités pour rentrer dans le tas. Il fait des mines en attendant. Gros push. Là, la base, est-ce qu'elle va être console? Elle a été console quand même. Il est... Ok. En soi, ils s'en battaient les couilles, la B2, mais. Là, ça va être compliqué d'attaquer avec. Enfin, il y a qu'un seul immortel. Un deuxième qui arrive, il devrait attaquer maintenant. Tout de suite. Hop, allez, monte la rampe. Oh, du Marcaroni. Que fait-il? Mais que fait-il? Mais que fait-il? Il scoot. Là, le deuxième immo qui est directement là. Il va se faire zoner directement. Là, il fait le shield. Ah, il fait des libérateurs. Là, il est en train de se faire détruire. Il a tué un zilote. Bon, il faut qu'il continue à faire de plus en plus d'unités. Et là, le maraudeur qui va se faire et la mine. Le maraudeur et la mine. La tristesse. Ça pue un peu du cul, hein, là. Pas top. C'est vraiment pas génial, on va dire. Pour le libérateur qui va arriver, il n'y a que 2 stalkers et une sentry. Ah, il va pouvoir jouer ici. Dommage qu'il ait perdu qu'il a perdu un. Ah là, il continue d'avancer. Il va perdre cette unité. Ah ouais, ils sont pas les couilles. Ils sont pas les couilles, il le perd. De toute façon, rentrer dans le tas, il aura perdu toutes ses unités. Il préfère attendre le deuxième libérateur. Il perd beaucoup trop. Il a perdu un maraudeur gratuitement, un libérateur gratuitement, et là il va perdre une deuxième ligne gratuitement. C'est pas terrible. Là il va y avoir du War Prism, du drop de. Comment ça s'appelle encore cette merde? Destructeur. Parce que Protoss c'est un peu imba. Suprotivis qui nous met un cœur sur le stream hein, en mode. Ils savent qu'ils ont gagné, alors ils nous taunt un peu sur le chat. On vous aime quand même. Ah, on va voir qu'est-ce que ça donne. Très très bien joué. Grosse micro de la part de Marcaroni. C'est toujours pas le steam qui est recherché. Bon, après. Voilà, c'est bien son steam. Il va pas faire grand chose, surtout qu'il y a. Il est complètement all-in, il compte pas faire de B2. Il a perdu qu'un marine. Il y a les batteries shield qui sont là. Un deuxième libérateur qui arrive. Il avance de manière safe. Avec ses libés. Non! Il perd deux maraudeurs sur le coup. Il a une batterie shield qui tombe. Il y a le destructeur qui va tomber. L'immortal qui est presque tombé. La batterie shield qui n'a plus d'énergie et qui tombe. Il y a quand même beaucoup de malheur qui commence à arriver. Ça commence à devenir un peu tendu. Hein. Parce qu'il y a libérateur. Non, il perd. Ouais, là par contre, perdre toutes ses unités, c'est pas top. Il a perdu 2 immortels le joueur Protoss en plus. Ah, là il va perdre ses 2 libés. Bah il en perd qu'un, donc ça va au final. Là il y a encore ce disrupteur qui arrive. Ah, il perd qu'un. Voilà, ça c'est bien. Il
récupère le destructeur sur le coup. Toujours all-in, hein. Ah, il va poser B2, là, le joueur Terran. Il est toujours pas de steam. Là, il est en train de faire un viking. Ah, pour sonner à la War Prison. Là, de toute façon, le War Prison, il n'y a pas besoin. Il tue le mortel, il va tuer la B2. Là, pour l'instant, un petit retournement de situation. Il y a des gens qui vont crier au Terranimba, et il y en a d'autres, comme moi, qui vont crier à Marcaroni, SL Genie. Marcaroni, le génie, va peut-être gagner le Ace Match. Bon, après, faut pas vendre la peau du Marcaroni avant de l'avoir tué. Là, très, très bien d'avoir évité. Il joue bien là, le Marcaronoob. Il fait même un troisième CC, il sent pas les couilles. Et chez lui, le troisième libérateur qui arrive, faut qu'il fasse attention quand même à ce disrupteur. Ce disrupteur, attention, là, il part en marine. Bien joué. Il y a trois libérateurs maintenant, le compte de libérateur va faire mal. Après, il y a Whistalker. Ah bon, voilà, il y en a certains, des incroyants qui vont dire Protoshimba ou Terranimba. Moi, je vous dirais Marcaroni, il part. Non! Je ne perds qu'un maraudeur là-dessus, la mine qui se fait pas les couilles. Là, il perd deux stalkers sur le coup. En ce temps-là, il est bien sur sa B2, le Marcaroni. Là, il va perdre un deuxième libérateur peut-être. Il y a beaucoup de sauteurs qui tombent. Et il y en a encore plus qui sont morphés. Il a perdu tous les libérateurs au final. Il va peut-être back maintenant. Il est bien. Enfin, il n'est pas max sur la B2, mais il a sa B2 tandis que le Protoss n'a pas de B2. Et il a plus que 4 carrés de minerais. Là, ça va être la contre-attaque. Ça va être la contre-attaque qui va nous dire qui va gagner. À la maison, il n'y a pas de production. Toute la production est ici pour le joueur. Il fait détruire toutes ces unités qui restent en fait. Ouais, du coup, les bunkers qui sont en train d'être faits, il n'y a pas de mines qui sont en train d'être faits, il est en train de faire un réacteur. Le Marcaroni qui va pleurer. On s'attend à la loose. Il est complètement all-in, il n'en refait pas de B2 et là il va mettre un libérateur à la base là. Les bunkers qui vont être faits, voilà, les bunkers qui sont finis. Il va pouvoir venir ici. En ce temps-là, de l'autre côté de la map, deny le mining time. Il ne mine plus le joueur Protoss. Ici, encore des unités qui arrivent. Elles vont se faire tuer directement. Les CS qui tombent. Il y a que deux marines et ils sont dans ces bunkers-là. Il y a des cyclones qui vont sortir. S'il arrive à faire sortir les cyclones, il pourrait contrer. On va voir ce que ça va faire. Il est toujours complètement all-in, il pose pas de B2 et il mine pas. Ah, il va perdre ce libérateur. S'il va venir attaquer les deux marines qui sont là, il va les perdre. Ça va être vraiment de la lose. Il va monter les deux, prendre les deux cyclones. Là, il monte directement, le joueur Protoss se prend dans le tas. Mais le wall est là. Il tue un stalker, presque deux. Il fait beaucoup de dégâts là. Il détruit le bâtiment. Et il ne produit plus de. Là pour l'instant. Il n'a pas le minerai pour. Parce que lui aussi, il n'a que 3 carrés de minerai. Non, non, les deux cyclones qui meurent, le libérateur aussi, c'est GG, c'est bien joué de la team de Clan Improve.